Hey, bonjour à tous et à toutes. Pourquoi l'écran est devenu noir? Je sais pas. Bref, bonjour à tous et à tous, et le cœur basse, on se retrouve sur Paper Mario la porte millénaire. Donc aujourd'hui, on va faire ce que j'avais dit la dernière fois. Donc déjà, on va combattre les personnages. Je me suis bien regardé tout le truc et tout. Donc là, on va combattre des personnages, des Pop-Bombs, je crois. Et après, on va combattre les personnages qui vont nous causer problème et qui vont avoir un rapport avec l'œuf qui va évoluer. Donc attendez, déjà on va combattre eux pour commencer. Après on ira sauvegarder et c'est là que ça va commencer. On va les faire 4 heures. 5 tours au moins, très bien. On va parer, allez vas-y. Fais pop tout, vas-y, fais tout apparaître. C'est pas ce que je voulais faire. Genre, il m'a poussé mais vers lui, tu sais, il a fait. Hop là, mais il revient vers moi quoi. On a aucun problème. Dans aucun sens, tout va bien. Bref, du coup. Ah oui, c'est la bombe. Allons-y. Allez. Faut pas terminer en moins, faut terminer en moins de 5 tours, d'accord. Ça se fait en 2D, puisque là, de toute façon, je vais te mettre des gros sacs à PV, puis c'est fini. Ah! En fait, je dis bonjour à tous et à toutes, c'est Lucas. Non mais. Ces ennemis n'ont aucune chance de gagner, on est d'accord. Si on les attaque une fois, ils ont perdu, quoi. Là, je vais aller sauvegarder, donc je vais faire un joli tour. Parti, c'est un peu triste ici. Il est parti parce qu'il était assez fort, c'est tout. Et alors? Oh, c'est un sweeper. C'est son vestiaire. Oui, bon, il va lui expliquer tout ce qu'il nous expliquait, quoi. Donc on s'en fout. Allez. Allez. Je vois pas quel est le but de ce personnage, il apparaît plus après. C'est juste un. Un. Donc là, on va s'amuser. Je vais mettre le truc internet que j'ai trouvé. Parce que oui, je suis clairement allé sur internet, je m'en fous là, il y a une place après. Enfin, une place après. J'y suis pas allé une fois depuis le début, mais je veux dire, juste pour ça, c'est important. Alors. Ok, j'ai compris. Donc, j'ai de la chance. J'aurai un Yoshi. Oh merde, j'ai dit le nom. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, c'est dans la miniature, de toute façon. Donc voilà, c'est dit, c'est un Yoshi qu'on va avoir. C'est la miniature. Merde, c'est pas fait exprès. Non, en vrai, c'était même pas voulu. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, oui, il y a un Yoshi qui va sortir de l'œuf. Moi, je veux qu'il soit vert. Parce que c'est un Yoshi vert. Tous les Yoshi sont verts. Oh. Donc là, on va se battre contre des ennemis très durs pour nous. On va pas les battre. Donc, alors. Ok. C'est rigolo que ça soit cet entraînement, c'est bien. Ça va.
Allez, 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 go, go, go. Une fois, un challenger en vrai, il m'a dit, je cite, ses adversaires, c'est pas les rigolos les plus plantons. Ces moucherons comme chez eux, il vaut mieux de rester jouer à la console et piquer autour dans les jupes de leur mère. Ce genre de choses, quoi. Quoi? Quoi, ma mère? Oui, moi, ça se mange des légumes. Pour insulter les gens. Moi, ce combat est spécial, déjà. T'as vu, il a les chaussures rouges et bleues comme Mario Luigi. Là, la musique, c'est pas la même. Hein. Le truc, c'est que ces ennemis, on peut rien leur faire. Je vous assure, c'est scripté et tout. Donc, on va fuir. Non, c'est vrai, on peut vraiment rien faire. Allez, fuis, David! Fuis! Pas beaucoup. Si c'était le but, je vous assure que c'était le dame, ça. C'était pas très cool. Donc, voici ma paye. Bah, du coup, voilà, bah, je suis mort. Enfin, pas mort, vous avez compris quoi. Et du coup, j'aimerais bien savoir quel Yoshi j'avoir. Quelle couleur, quelle couleur, quelle couleur. Oh là! Oui! Yes! Oh, je suis content! Oh, je suis content! Comment c'est possible qu'on ait qu'un Yoshi vert en fait? Ah, ça me va, moi! Comme ça j'ai rien à faire, c'est cool. Oubliez tout ce que j'ai dit depuis le début de ce bordel. Grâce à toi, j'ai pu sortir ma coquille sain et sauf. Ah oui. Ah, Régine, jamais toi, n'est-ce pas? J'ai tout entendu quand j'étais dans mon œuf. Et pour vous remercier de m'avoir sauvé, je vais me battre dans votre camp. J'ai peur de personne, je peux battre n'importe qui, faites-moi confiance. Comment je m'appelle? Eh ben en fait, je sors tout juste de mon œuf, donc j'ai pas encore de nom. Ça me va si tu peux m'en trouver un joli nom, tu vois. Eh ben, je vais l'appeler Petit Yoshi. Genre. Pas d'apostrophe. Ben, petit, alors, le T en tout petit, tu vois. Genre, petit. Ça rentre pas, Petit Yoshi. Petit Yoshi alors. Comment je t'écris Yoshi? Si c'est comme ça qu'il s'écrit en plus. En plus, ah mais en plus ça s'appelle comme ça en dessous, j'ai pas vu. Là sur ma petit Yoshi, ben voilà, tu vas t'appeler Petit Yoshi. Un peu bizarre, pourquoi pas, ça me plaît bien. Maintenant, je quitte plus Gonzales. Le petit Yoshi rejoint le groupe. Bon, en résumé, petit Yoshi sert à plein de trucs. Donc, on peut monter sur lui. Il nous sert d'aller un peu plus vite. Et ça, c'est cool d'aller vite en fait. Ouais, un peu voler sur son dos comme un Yoshi, quoi, je pense. Voilà. Comme un Yoshi. Oh, je suis si content. Je suis si la joyeuseté. Je suis tellement heureux. Attends. On a combien de... Attends, merde, on a qu'un seul soleil. Pas grave, hein. Bref, on est parti. On va les recombattre. Comment ça 12? On est passé, ça se passe entre 10. J'ai pas tout compris. Bof. C'est l'heure de ton combat sur moi. Bon, bah, allez partir. Ah, on va devoir se retaper eux. Oh, moi je vais pouvoir vous montrer de quoi je suis capable. Bourreau les empêches, Super Gonzales, aux infréquentables truands.
C'est parti, tu es prêt, Gonzalez? Et tu vois, on peut faire quoi? On peut faire quoi? Si a remarqué que c'est un combat en retour. J'ai pas d'objet. Facile, efficace, simple, c'est la map que je préfère. Non, pour lui, je prends de coupec. Le coupec, il est genre bien mieux. Jay! Putain, il va me renvoyer mon petit chemin champignon, lui. Voilà. Ils ont entre 3 et 8 PV. Et là, j'ai peur. Yes! Voilà. Voilà. Mais c'est bien, il donne plus d'XP déjà. C'est rigolo. Comment cela se passe, je ne sais pas. Mais bon, on va dire que oui. Ouais, t'as payé. Non, j'ai coupé, j'ai écouté, parce que mon ordi fait un beau chien en fait. Et du coup, mon micro, il capte pas le bruit, c'est bien. En même temps, le bruit, il est un peu loin, il est genre là, là. Oui, maman. Genre ici, le bruit, et genre, il y a toute cette différence. En plus, c'est pas du bon côté pour ça. On se bat contre qui là, du coup, les bobons, non? Ah non, les aides d'acier! Et là, par contre, on va mieux rigoler. Pas d'objet, très bien. Ça se régène. Ils vont rien comprendre, cette aide d'acier. Vous allez voir la puissance de Petit Yoshi! Petit Yoshi. C'est là de ton combat, tu vois. Très bien, on va repartir alors. On est de retour, et cette fois, petite race. Le bourreau les enfers, super Gonzalez. Aux inoxydables, tête d'acier. C'est pas avec la forme qu'on a de l'ingre. Bon, j'ai pas compris. Allez, on mange jamais. Oh, la leçon vous a pas servi, hein. Oh non, mais ce petit Yoshi ici, c'est pas mignon. Eh, ah, vous allez moins rigoler quand je vais vous faire cette attaque. Attention. Boum boum. Aïe, ah, mais je crois pas, on a notre face contre l'eau. Incroyable, surtout notre point faible. Bah, Mario, il va faire du charme. Voilà, je m'en vais vers la fin de sa vie, il fait du charme. C'est qu'il faut mal, mais. Mais what? Pas intérêt à me. Ouais. Voilà. Content, content, je suis content. Ouf. Au deuxième ligne, quel échec. Ouais, Yoshi, là, il est déjà un peu mort. Bravo Gonzalez, tu passes deuxième ligne. Le petit Yoshi. Oh. Je l'ai esclavagé. Moi je fais aucun dégât, j'ai fait du charme surtout. Lui il les a bouffés deux fois, il les a trashés genre violent. Tout va bien. J'ai esclavagé les Yoshi. Oh la musique. Patron, Gonzalez est ici. C'est noté. Tu pourrais les frapper et les bonnes manières. C'est pas comme ça. Excuse-moi, patron. Ok, qu'est-ce que tu voulais? Ah oui, Gonzalez, yes. Tu es wonderful, Gonzalez. Tu es simplement un patch chipant de choix. Et bien, congratulations, tu as vite atteint la première ligue. Je savais que tu avais une raison de Billy Mentua. Continue à donner des dreams au public, hein. Je compte sur toi. Voici un code spécial for you. Tiens. 30 pièces. Je trouve que depuis le début ton costume est un peu cheap celui-ci. Si tu deviens champion, je t'en offrirai un nouveau avec un joli volant rose qui tira très bien, soit Georgius. Ok, tu peux y disposer. Bien sûr, suis-moi.
pense que là, dès qu'on retournera pour la canaille, pour le chapitre 4, avant le chapitre 4, on ira un peu fouiller le corps, la canaille et tout. S'acheter des trucs et tout. Oh, le la petite Yoshi, il est en mode mort là. Ah ouais, déjà c'est plus beau. Okay, vas-y, le vestiaire des concurrents de la première ligue, tu peux utiliser maintenant. Le système des concurrents et le deuxième quand on tourne la deuxième ligue. Bien sûr, il vaut le meilleur. Tâche de ne pas laisser ta peau sur les rides. Bon, je vais y aller à plus tard. Très bien. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Y'a quoi des coups pas? Y'a quoi des coups pas? C'est rigolo ça. Je crois qu'on nous aide pas tellement. Putain, une carafe. Wow. Toi, quand tu gênes, tu parles d'un type qui gagne tous ses combats les uns pour les autres. C'est toi, tout Gonzalez avec ta moustache. Tu n'es même pas venu me voir. Noni! Ceinture, le champion. Épuisé! Oh. Pas très bien, un truc qui cloche, tu toques, c'est ça? Attendez un peu. Vous pouvez pour qui? Pour la ceinture et du pioche, qu'est-ce qui se passe? On apprend pas la politesse ou quoi? Ça va, pardon, pas de ta ceinture. Vous fichez pas de moi, ok? Je vous épargne juste parce qu'on n'est pas sur le ring. Mais quand on y sera, vous verrez, alors ouais. Moi, je vais vous péter la bouche. Il l'a mis en branle, il est en colère. La carte magique indiquait bien la de un vie, c'est pas celle que toi, c'est le champion. Où est cette pierre? Oh! Ah oh oui! J'avais oublié! Oh, c'est trop bien ça! Ah oui! Si tu veux trouver les gemmes étoiles, suivez les instructions. X. C'est qui ce X? Ça doit être quelqu'un qui sait où est la pierre. Il me donne une indication, tu vois. C'est quand même bizarre. Bon, on va se soigner. Mais bon, nouveau combat. Ok, je vois que tu as l'habitude de t'y mettre. Let's be see, tu vas te battre contre The Carapointe. Tu dis pas de PF. Pardon? Et comment je bats des personnages qui ont des pointes sans tout PF? Ils doivent pas craindre le marteau aussi. Ils ont beaucoup de défense, ils ne craignent pas mon marteau, dans ce cas je suis vraiment très très mal. Oh là, ma caméra est envolée. Je sais pas. Non, vraiment, je sais pas. On va voir, on va voir. Ah si, mais eux, ça va être facile. Si, si, j'arrête. Je prends mon coupec et tout va bien. Allez, viens me battre. Ils ont une voix comme ça, tu vois. Ils sont très aigus. Oh, les objets qu'ils ont. Non, mais genre, c'est quoi cette illégalité sur tous les objets, là? Alors, je suis quasiment sûr qu'ils gagnent pas. Yoshi va servir à rien. Il y a que Coupek avec son truc de carapace là. Mais comment qu'on fait? Quoi? Ah mais les points étoiles! Ok, j'y étais pas. Je me disais que ce serait bizarre quand même. Ouais, lag. Je préfère que ce soit au début qu'à la fin le lag, putain. Je me suis saigné pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, j'arrive pas! Ça m'énerve! Ça a été simple, ouais. Attends, celui-là, il régène les points étoiles ou pas? Non.
Bref, nous sommes à 20 minutes, donc on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ouais, tout ça. Sur ce, ben, moi je vous dis. Je vais la sauver, ça s'appelle. Je vous dis, bye tout le monde!